Merci Noubar. Je veux aussi saluer Stephen et Patricia de Moderna. Noubar, the conversations we had throughout the pandemic, as we got to know each other, as so many people did over Zoom, not just about vaccines and about when you could get more vaccines to Canada, you were always responsive on that, but mostly about how we make sure we're ensuring health security, not just now, but for the future. How to make sure that Canada once again is able to respond not just to its own needs, but help lead the world at a time of uncertainty and a time of potentially more pandemics in the coming decades. Your connection with Canada from having studied here, from having came here as a child, and your commitment to Canadians and to people around the world made it absolutely wonderful to work with you. But I have to say, for all the conversations we had over the past 2 years, it's great to finally be able to welcome you here and kick off this extraordinary partnership for Canadians in a very, very tangible way. Je suis très heureux d'être ici à Laval aujourd'hui avec François Philippe et avec plusieurs membres de notre équipe libérale. Je veux aussi reconnaître et remercier Stéphane Boyer, le maire de Laval. Stéphane, un an aujourd'hui, tu t'es fait élire dans les élections municipales partout au Québec. C'est une belle annonce pour démontrer que tu es en train de livrer pour les Lavalois. Christopher Skeet, ministre québécois délégué à l'économie, plaisir de te voir, plaisir de travailler avec toi. Vous savez, quand le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial peuvent travailler ensemble pour livrer concrètement, pas seulement des jobs et de la croissance, mais des ressources et des éléments de sécurité comme les vaccins, c'est une bonne chose pour tout le monde. Je veux saluer tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui. Je suis heureux d'être au Québec aujourd'hui pour parler de ce qu'on fait pour améliorer la vie des gens. Avec le coût de la vie qui augmente, ça devient difficile pour trop de Canadiens de payer les factures. C'est pour ça que notre gouvernement continue d'être là pour vous. Pour aider les familles de la classe moyenne et ceux qui ont le plus besoin, on a doublé le crédit d'impôt pour la TPS pendant 6 mois pour 11 millions de foyers. Les paiements, justement, ont commencé à arriver vendredi passé. C'est des centaines de dollars qui ont déjà été ajoutés dans le compte de banque de ceux qui en ont le plus besoin. Et on travaille pour s'assurer que tout le monde puisse se permettre d'envoyer leurs enfants chez le dentiste. On va aussi aider les locataires à faible revenu à payer le loyer avec un paiement supplémentaire de 500 dollars. On est tous en train de travailler pour être là pour les gens dans le court terme pendant qu'on bâtit un long terme plus prospère. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on continue de travailler tous ensemble et j'espère que tous les partis à la Chambre des communes, dont le Parti conservateur, vont décider d'appuyer l'aide aux locataires et l'aide pour les soins dentaires. Pendant la pandémie, on a promis de rétablir notre capacité de produire des vaccins ici au Canada. Déjà, on a complété la construction d'un nouveau centre de production de produits biologiques au Conseil national de recherche Canada, pas très loin d'ici, à Montréal. Et on fait plusieurs investissements avec des compagnies dans le secteur de la biofabrication à travers le pays. En avril, Moderna a annoncé son intention de construire une usine ici au Québec. Et aujourd'hui, on est très heureux d'être rassemblés pour souligner que la construction a commencé ici à Laval. La nouvelle usine de Moderna va pouvoir fabriquer jusqu'à 100 millions de doses de vaccins par année, des vaccins contre la COVID, mais aussi contre la grippe saisonnière et d'autres maladies respiratoires. Noubar et les gens chez Moderna, on s'est parlé souvent depuis le début de la pandémie. On a toujours bien travaillé ensemble, donc je suis très heureux de pouvoir poursuivre cette collaboration pour créer des bons emplois ici au Canada et surtout pour garder les gens en santé. Et pendant que je suis ici ce matin, je veux en profiter pour encourager tous les Canadiens, de rester à jour avec votre vaccination contre la COVID et d'aller chercher vos doses de rappel si vous êtes éligible. It's important for everyone, with winter coming, with people headed back indoors, to stay up to date in your vaccinations, including getting boosted as soon as you're eligible. There's still a lot of virus going around. Do it to protect your health and to protect
our health workers who are so busy on the front lines being the heroes we need them to be. Being able to make vaccines here in Canada is part of our government's plan to keep people safe and to create good jobs for Canadians. Moderna will also invest in research and development here in Canada, which will help us continue to expand our life sciences sector. This is what we mean when we say that we're working to attract investments and working to make our country more competitive. Canada is an attractive place for companies like Moderna to invest and innovate, and we're going to continue making sure that the whole world knows this. Créer des centaines de bons emplois tout en protégeant la santé de nos communautés, c'est ça, bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. Quand une compagnie comme Moderna s'installe au Canada, on rend notre secteur des biotechnologies encore plus dynamique et on développe le talent d'ici. En parlant du talent d'ici, aujourd'hui, je veux justement m'adresser aux jeunes et aux étudiants. Je sais que la pandémie a été difficile pour vous, que vous soyez au début de votre carrière ou encore à l'école, vous voulez faire votre part pour bâtir un monde meilleur. Alors, plus que jamais, dans notre vision pour bâtir une économie résiliente, on a besoin de votre aide en tant que chercheurs, ingénieurs, innovateurs. Et c'est pour ça que dans l'énoncé économique de l'automne, on annonce qu'on élimine les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants de manière permanente. Notre gouvernement met tout en œuvre pour que les jeunes, les étudiants, les scientifiques, vous puissiez réaliser vos rêves et bâtir une carrière ici chez nous, tout en faisant une vraie différence pour nos communautés. L'usine de Moderna qui est en construction, c'est un grand pas dans la bonne direction. Mais il ne faut pas oublier non plus que si on peut créer cette usine ici, si on peut commencer la construction au mois d'octobre, en novembre, quand on a un hiver montréalais qui s'en vient, c'est parce qu'on a aussi des travailleurs de construction du meilleur niveau dans le monde. Et je veux souligner tous les travailleurs qu'on a rencontrés ici aujourd'hui qui font ce travail pour bâtir le Canada qu'on vit à tous les jours. Merci, vous, messieurs et madame, pour votre travail.